Voilà, nous accueillons Marion des Premières, qui est donc un incubateur de la région, donc qui accueille donc un incubateur pour les entrepreneuses parmi vous qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise et qui souhaitent être accompagnées. Donc Marion va nous expliquer la mission des Premières, et c'est une première pour Marion aussi qui fait ce premier live. Des aventures pour tout le monde. Merci Marion d'être avec nous et de votre confiance et de nous suivre sur cette première édition. Donc n'hésitez pas, celles qui nous écoutent, à partager ce live dans vos pages privées ou à taguer des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées, des personnes de votre entourage qui souhaiteraient être accompagnées dans leur projet de création d'entreprise. Vous allez voir, être accompagné, c'est très important quand on est quand on démarre une aventure. Et l'accompagnement des Premières, pour le connaître un petit peu plus de l'intérieur aussi, mérite qu'on s'y intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions également dans les commentaires que je vais pouvoir relayer pendant la présentation ou à l'issue de la présentation auprès de Marion qui vous y répondra. Voilà, merci Marion d'être avec nous. Merci. Et je vous laisse peut-être vous présenter et introduire donc le sujet. Qu'est-ce que veut dire entreprendre quand on se lance comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre? Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous aider à répondre à une question que vous devez certainement vous poser si vous avez en tout cas un projet de création d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement entreprendre? Alors, tout comme il n'y a pas un type d'entrepreneur, un profil type, il n'y a pas une façon d'entreprendre. Et je crois même qu'on peut dire qu'au final, il y a autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs. En revanche, ce midi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est cinq points clés, cinq éléments qui vont quand même vous permettre de structurer votre démarche entrepreneuriale et, je l'espère, de maximiser vos chances de réussite. Alors, avant de démarrer, je voulais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Marion Tellinge, je vis sur Toulouse et je suis aujourd'hui avec vous en tant que responsable du développement et des partenariats des Premières Occitanie. Alors, qui sommes-nous? Les Premières Occitanie, c'est une association qui fait partie d'une fédération nationale qui s'appelle Les Premières, qui existe depuis plus de 12 ans et qui accompagne les femmes et les équipes mixtes qui souhaitent créer des entreprises innovantes donc pour nous le territoire régional et de manière globale en France pour les autres incubateurs. Donc nous sommes situés à Toulouse et maintenant à Montpellier depuis la rentrée cette année, et nous avons différents programmes qui vont vous accompagner dans votre création d'entreprise. J'y reviendrai à la fin de cette présentation. Alors d'ailleurs, comme on est répartis sur le territoire régional, ça m'intéresse de savoir d'où vous venez. Donc si vous pouvez, avant de démarrer en commentaire, nous préciser où est-ce que vous êtes situé pour voir aussi éventuellement à la fin quel programme ou quelle session pourrait vous correspondre. Alors pour démarrer, le premier point clé que j'aimerais partager avec vous, c'est celui de définir vos objectifs. Alors pourquoi? Parce que si je prends la définition du Larousse, du terme entreprendre, c'est de commencer à exécuter une action en général plutôt longue et complexe. J'espère que vous me rejoindrez, cette définition est plutôt large et je pense qu'un des points fondamentaux avant de se lancer, c'est de se réapproprier en fait ce que veut dire entreprendre. Je m'explique, par exemple, pour certaines d'entre vous, entreprendre, c'est peut-être créer votre emploi, votre propre emploi. Pour d'autres, ça va peut-être être reprendre une entreprise existante, dans le cadre familial ou lors d'une reprise d'entreprise. Ça peut aussi être de lancer un nouveau produit ou un nouveau service, ou par exemple de devenir franchisé d'une activité qui a déjà fait ses preuves. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, en fait, je pense que c'est important de commencer à préciser en fait pour vous quel est votre projet d'entreprise. Et pour vous aider à faire cela, vous pouvez également vous fixer des objectifs. Alors, quand on parle de se fixer des objectifs, il est important de se fixer de ce qu'on appelle de bons objectifs. Donc, pour ça, vous avez une méthode qui est assez connue, qui s'appelle la méthode SMART, qui définit ce que c'est qu'un bon objectif. Donc, un bon objectif, c'est un objectif qui doit être S, spécifique, M, mesurable, A, atteignable, R, pour réaliste, et enfin, le T, pour temporellement structuré.
Donc, si vous avez déjà quelques pistes, bah, je vous propose d'utiliser cette méthode pour lister les quelques objectifs que vous mettez derrière votre démarche entrepreneuriale. Donc, ça, c'est la première clé. Ensuite, la deuxième clé que j'aimerais partager, c'est le fait de faire l'état des lieux de vos ressources. Alors, avant de vous lancer dans l'opérationnel, il est intéressant de réfléchir à l'adéquation entre votre projet et vous. Pour le dire autrement, c'est pour vous poser la question de est-ce que ce projet, en fait, est adapté à vous? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Plusieurs choses. Le premier niveau, c'est vos ressources personnelles, c'est-à-dire, effectivement, vous-même. De manière plus large, on peut aussi réfléchir à votre entourage. Est-ce que vous avez partagé votre projet de création d'entreprise avec votre entourage? Est-ce que cet entourage vous soutient? Est-ce que vous avez évoqué les éventuels changements que cela va impliquer dans votre rythme de vie, dans votre organisation quotidienne? Ça peut être aussi au niveau de votre santé. Est-ce qu'elle est compatible avec les enjeux de ce projet? Donc là, c'est les ressources personnelles. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est de réfléchir à toutes vos compétences. Et notamment, bien sûr, vis-à-vis du futur projet, puisque certains projets vont vous demander de répondre à des obligations légales, par exemple, en termes de diplôme ou de formation. Donc, c'est bien sûr important d'avoir ça en tête avant de se lancer. Et puis, par exemple, ça peut être aussi de faire attention de ne pas avoir une clause de non-concurrence si vous quittez votre emploi de salarié avec votre employeur précédent. Voilà, vous lancez dans un nouveau projet, être sûr que vous ne soyez pas en concurrence si cette clause était dans votre contrat. Voilà. Enfin, la dernière ressource à regarder, c'est les ressources financières. Je pense que vous allez avoir un certain nombre de workshops sur ce vaste sujet du financement de la création d'entreprise à la création d'entreprise. Et effectivement, c'est important avant de démarrer de réfléchir à deux niveaux. Le premier, c'est quelles ressources financières vous avez pour vous garantir un mode de vie, un niveau de vie qui vous convienne jusqu'à ce que cette future entreprise puisse vous rémunérer. Et de l'autre côté, c'est quels vont être les futurs besoins de votre projet entrepreneurial d'un point de vue financier. Et est-ce que, par exemple, vous avez un apport personnel suffisant? Puisque vous le verrez sans doute au travers des différentes interventions sur le sujet, il est quand même nécessaire d'avoir un apport personnel au démarrage. En tout cas, ça peut être recommandé. Donc, ces deux premières clés, définir vos objectifs et faire l'état des lieux de vos ressources. J'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions en commentaire et j'y répondrai à la fin de cette intervention. Alors, la troisième clé que j'aimerais partager, c'est celle de réfléchir à vos éventuels freins. Alors, l'objectif, là, c'est vraiment, finalement, d'identifier les trous dans votre raquette, ce dont vous avez besoin pour développer ce projet. Alors, ça vient un petit peu dans la réflexion du point précédent. Ça va se jouer à deux niveaux, vos savoir-faire et vos savoir-être. Les savoir-faire, on l'a vu, quand vous allez réfléchir à vos compétences, vous allez sans doute noter des points sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas formé, vous ne savez pas faire. Ça peut bien sûr aller de la structuration de projet, on en a parlé, la recherche de financement, qui est un vaste sujet. Ça peut également être des enjeux de stratégie de communication, de nos jours notamment avec les outils digitaux. Il y a pas mal de choses à maîtriser. Donc voilà, c'est lister en fait l'ensemble de ces savoir-faire qui vous semble en tout cas nécessaire pour votre projet et que vous ne maîtrisez pas. Derrière, l'objectif, c'est pas de vous lancer à la course, à la formation pour vous former sur tous ces sujets, loin de là, mais plutôt d'avoir conscience de vos besoins pour ensuite réfléchir qui peut vous aider. Ça peut être un prestataire externe, un freelance notamment, pour vous lancer, mais ça peut être aussi de recruter à terme une personne à qui vous allez déléguer cette partie-là. La deuxième partie des freins, c'est au niveau des savoir-être. En effet, entreprendre, c'est une magnifique aventure, mais qui demande de bien se connaître, puisqu'il va y avoir des moments très difficiles. Et donc, un des premiers niveaux, c'est de connaître ses peurs. Avoir conscience, reconnaître quels sont les éléments sur lesquels je ne suis pas à l'aise, qu'est-ce qui me fait peur. Par exemple, ça peut être l'isolement, la solitude. Il est vrai que se lancer seul, c'est pas évident. Donc, si vous en avez conscience, par exemple, ça peut être réfléchir à s'associer, faire rentrer quelqu'un dans ce projet rapidement pour vous accompagner dans l'aventure. Si vous avez, par exemple, des difficultés à prendre des décisions, ça va être important d'en avoir conscience parce que vous allez le voir, entreprendre, c'est prendre beaucoup de décisions avec, somme toute, un niveau d'information qui n'est pas toujours celui qu'on aimerait et il faut être à l'aise avec ça. Vous pouvez aussi réfléchir à l'emprise du regard sur les autres. Si vous créez une entreprise, notamment dans un domaine innovant ou si vous allez peut-être à l'encontre de ce qui se fait déjà, ça ne va pas forcément se faire sans que certaines personnes manifestent leur avis, qu'il soit positif ou négatif. Et ça, il faut que vous soyez à l'aise avec ce que ce retour du regard des autres fait sur vous.
Cette partie-là, je dois dire que c'est souvent la plus difficile parce que ça demande à la fois une certaine prise de recul et une bonne connaissance, une bonne conscience de vous. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ce type d'exercice et à partager cette analyse avec des personnes qui vous connaissent bien. D'ailleurs, si certains d'entre vous ici ont déjà fait ce type d'exercice, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience en commentaire. Donc la troisième clé, réfléchir à vos éventuels freins, pardon. La quatrième clé, c'est faire preuve de méthode. Alors ici, je vais faire un focus un peu plus particulier sur la création d'entreprise de type lancement d'un nouveau service ou d'un nouveau produit, car c'est un savoir-faire que nous maîtrisons particulièrement au sein des Premières Occitanie. Mais ne partez pas si votre projet d'entreprise n'est pas spécifique à ce type de projet-là. Restez, vous allez voir, il y a certaines choses qui vont être intéressantes pour votre projet entrepreneurial. Alors, quand on décide de lancer un nouveau produit ou un nouveau service, généralement, ça part d'une idée, ça part d'une envie personnelle par rapport à son vécu, son expérience, et on réfléchit, on avance, on se dit, bah tiens, j'aimerais lancer ce nouveau produit, ce nouveau service. Là, il y a une étape fondamentale qu'il est vraiment important de respecter, c'est de réfléchir à votre proposition de valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La proposition de valeur, c'est de réfléchir à quel problème vous répondez. À quel besoin vous répondez au travers de votre nouveau service ou de votre nouveau produit, ou de votre service ou de votre produit d'ailleurs. En gros, l'idée, c'est de vraiment réfléchir à qui sont vos futurs clients, c'est-à-dire qui sont les personnes qui demain vont payer pour ce produit ou ce service, et qu'est-ce que vous leur apportez vraiment. Alors, cette étape clé, elle est souvent négligée parce que, bah, on est dans l'énergie positive de son idée, on a envie, et on se dit que forcément, ça va plaire. Alors bien sûr, dans l'absolu, c'est le cas, hein, ça peut être le cas, mais il est vrai qu'il est important de ne pas limiter, si vous voulez, votre avis subjectif et de commencer à miser, notamment s'il y a des investissements à faire, etc., uniquement là-dessus, sans être allé voir ce que pense le marché de cette idée. Donc, il y a plusieurs choses ici. Vous pouvez bien sûr analyser votre concurrence, si vous êtes sur un marché existant, qu'est-ce qui se fait déjà. Et puis, de la même manière, vous pouvez aller sonder vos potentiels futurs clients, tester des hypothèses, leur faire essayer le produit tel qu'il est aujourd'hui, et faire des allers-retours finalement entre ce que vous imaginez, ce que vous créez, et puis comment c'est perçu. Ces allers-retours s'appellent la méthode test and learn. Donc c'est l'idée en fait, voilà, d'avancer petit à petit dans la construction de son produit ou son service grâce aux futurs clients et aux attentes du marché. L'idée étant d'arriver à ce qu'on appelle un MVP en anglais, Minimum Valuable Product, en français un produit ou un service minimum qui crée de la valeur. C'est-à-dire, le but, c'est d'éviter la course à la perfection. Et ça, c'est aussi un travers qu'on peut avoir. On veut attendre que tout soit parfait, d'avoir peaufiné les derniers détails. Ça peut même aller, voilà, jusqu'au site internet pour lancer. On veut que tout soit super, etc. Bien sûr, c'est important de mettre du professionnalisme dans ce que l'on fait. Le risque, c'est d'attendre trop longtemps et que bah, vous arriviez avec un produit parfait, mais dont en fait personne n'a plus besoin ou pas besoin. Donc toujours cette même idée, vous avancez au fur et à mesure et dès que vous avez votre MVP, votre produit minimum, le calibrage de votre offre minimale, l'idée c'est bien sûr de valider le modèle économique, c'est-à-dire le système mis en place pour faire en sorte que votre future entreprise soit rentable. Rentable voulant dire bien sûr qu'elle gagne plus d'argent qu'elle n'en dépense. Lorsque vous avez ça, bah vous pouvez commencer à lancer votre activité et puis réfléchir ensuite au déploiement, notamment au travers de la recherche de financement, pour cela la rédaction d'un business plan, la mise en place d'un plan de communication, voilà, etc. L'ensemble de ces étapes, au-delà enfin, de les avoir en tête et de les respecter, il est important également de les mettre en perspective d'un planning. Parce que vous allez voir, devenir entrepreneur, c'est devenir maître de son temps. Donc, ce qui apporte une certaine liberté, je dois dire une certaine satisfaction, mais l'enjeu, bien sûr, c'est de se perdre, de commencer à vouloir tout faire, pardon, tout faire en même temps, ne plus prioriser. Et donc, le but, c'est de créer dès le début un planning dans lequel vous allez structurer toutes ces étapes, structurer cette démarche de création, avec bien sûr des délais qu'il va falloir vous fixer et des objectifs. On l'a vu au départ, SMART. Alors j'en profite ici pour ouvrir une parenthèse sur les outils digitaux d'aide à la gestion de projet et à l'aide de la gestion de temps. Il en existe de nombreux aujourd'hui sur le marché. Moi, je ne citerai que Trello, qui est un outil qui est vraiment très intéressant quand on se lance justement
Dans la création d'entreprise, ça vous permet d'organiser vos tâches et puis aussi de collaborer si vous êtes plusieurs en vous répartissant les responsabilités. Mais n'hésitez pas à partager en commentaire de ce live si vous avez voilà, d'autres outils que vous utilisez et qui vous sont utiles aujourd'hui. La dernière clé que j'aimerais partager avec vous ce midi, c'est celle d'inventer votre propre grille de réussite. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, aujourd'hui, quand on parle d'une entreprise qui réussit, on sous-entend une entreprise pérenne, financièrement saine, qui peut employer, qui se développe, pourquoi pas sur le territoire, voire à l'étranger. Alors, bien sûr, c'est une définition de la réussite et ces entrepreneurs peuvent être fiers de leur projet. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est que dans l'aventure entrepreneuriale, pour garder le cap et garder le moral malgré l'adversité, parce que c'est effectivement une super aventure, mais qui a des moments, enfin, qui comporte aussi des moments difficiles, il faut développer ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Donc, c'est le fait vraiment d'avoir en vous cette conviction, cette motivation que ce que vous faites a du sens. Et donc, pour ça, un des éléments, c'est de définir votre propre grille du succès. Qu'est-ce qui fait que vous serez satisfaite de ce que vous avez fait? Par exemple, pour certaines d'entre vous, ça peut être le fait d'être indépendante, d'avoir créé votre emploi. Pour certaines, ça va être le fait d'être leader sur le marché, sur leur marché. Ça peut être de gagner beaucoup d'argent, bien sûr, ou ça peut être tout simplement d'avoir trouvé un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Finalement, quelle que soit voilà, la réponse, le but, c'est vraiment d'inventer cette grille-là et puis d'en être fier. Donc, si je reprends les 5 points clés. Pour se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, c'est vraiment de définir des objectifs smart, de faire un état des lieux de vos ressources, de regarder également quels seraient vos éventuels freins et pour bien sûr réfléchir à comment les surmonter et vous faire accompagner, de faire preuve de méthode dans un planning et d'inventer, de réinventer la définition de la réussite pour vous. Alors, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que vous êtes toujours là et que j'ai réussi à vous montrer que, au-delà, voilà, d'un mot, l'entrepreneuriat, c'est surtout beaucoup de bon sens, de l'organisation et beaucoup, 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 beaucoup de travail. On va pas se mentir. Alors, avant de vous laisser la parole, j'aimerais juste vous repréciser que donc les Premières Occitanies, nous sommes là pour vous accompagner dans toutes ces étapes de création d'entreprise. N'hésitez donc pas à aller voir notamment notre site internet. Nous avons plusieurs programmes qui couvrent vraiment de la phase d'idéation, donc sans doute au stade où vous en êtes aujourd'hui, jusqu'aux premières étapes pour créer votre entreprise et puis jusqu'au développement de votre entreprise. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que nous avons la semaine prochaine, donc lundi 23 et mardi 24 novembre, nous organisons en digital une session de notre programme Start. Donc, c'est 2 jours de formation pour venir justement poser les premières étapes de création de votre projet. Donc, si vous en êtes à ce stade-là aujourd'hui, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Voilà, c'est vraiment 2 jours qui vous permettent de tester votre profil d'entrepreneur et puis avec bien sûr de l'apport théorique et des outils, définir votre feuille de route. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour les questions. Merci infiniment Marion parce que vraiment c'était une très belle présentation avec beaucoup d'informations. Je pense aussi beaucoup d'éclairage pour celles qui veulent se lancer, en tout cas qui songent sérieusement à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que c'est des étapes importantes dans les choix d'une carrière professionnelle, cette étape, et de se faire accompagner est plus que jamais recommandée, je dirais. Merci beaucoup pour ces cinq clés. Alors, dans les toutes premières questions, les commentaires qu'on a eus, c'était d'où venez-vous? Et il y a du monde, hein. Déjà, non seulement elles sont toujours là, mais en plus, l'audience a augmenté au fur et à mesure de la présentation. On a Gaëlle, Séverine, Florence de Toulouse. On a Christelle de Laveur, je pense, dans le Tarn. Renata de Lévignac, Marlène de Montpellier. Voilà, et puis encore et bien d'autres, hein, parce qu'il y a du monde qui s'est derrière. Donc, ça va peut-être répondre aussi à vos interrogations sur l'audience. Il n'y a pas d'autres questions? Trello. Si, Trello, le portail Trello, peut-être une précision sur ce que c'est finalement le Trello. Quel est cet outil dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, bien sûr. Merci pour la question. Donc, oui, donc effectivement, ça vous permet voilà, de visualiser en fait sur un écran l'ensemble des thématiques sur lesquelles vous travaillez, à l'intérieur les tâches, éventuellement qui est en charge de cette tâche-là,
avec une échéance. Donc, c'est vraiment un super outil de manière globale de gestion de projet, mais dans le cadre de la création d'entreprise, qui fonctionne voilà, vraiment très bien et, comme je vous le disais, qui est accessible, en tout cas sur un premier niveau déjà d'options, gratuitement. Ok, je vérifiais juste qu'on soit bien revenu sur le live, hein, et c'est que ça marche bien. Alors, les deux autres questions, c'était aussi, voilà, comment... Il y a une personne dont je n'ai plus le prénom en tête, mais j'ai bien retenu la question, par rapport, qui a bien compris les cinq clés que vous proposiez, mais qui essaye de mieux comprendre quel est votre réel apport et votre métier. En fait, votre métier, c'est donc le métier d'incubateur et d'accompagnement. Et la deuxième question concerne aussi comment se fait-on financer pour être accompagné par vous? Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce que c'est le CPF peut-il répondre à ce besoin de financement pour être accompagné par vous? Super, merci pour effectivement ces questions un peu plus précises sur comment fonctionnent les premières. Donc, les premières Occitanie sont ce qu'on appelle un incubateur. Donc, nous, en fait, nous proposons des programmes d'accompagnement à la création d'entreprises. Le programme phare, c'est le programme qui s'appelle Go Première. Donc, en fait, c'est concrètement 6 mois. Alors, je vais parler en temps normal hors crise, mais vous verrez, bien sûr, on s'est adapté à ce qui se passe en ce moment en passant en digital. En temps normal, vous avez deux choses. La première, c'est des ateliers collectifs. Donc, on constitue en fait une promotion de porteuses de projets. On reçoit tout type de projet, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité à un type de secteur d'activité. Nos critères, en fait, c'est que vous soyez une femme ou enfin, des femmes, une équipe ou une équipe mixte, pardon. Il faut que vous créiez, enfin, vous ayez en tête un projet de création d'entreprise sur le territoire régional, donc l'Occitanie, avec un caractère d'innovation au sens large, ou on va dire un caractère différenciant et un potentiel de création d'emploi. Dès lors, vous pouvez postuler à ce programme-là. On en lance à peu près 3 promotions par an. On va sélectionner entre 8 et 10 porteuses de projets par promotion. Et pendant 6 mois, vous allez avoir des ateliers collectifs qui vont couvrir, si vous voulez, les indispensables à la création d'entreprise, avec, entre guillemets, notre spécificité première et des ateliers un peu plus de développement personnel. On va travailler sur la posture, on va travailler sur le leadership, etc. Et en plus de cela, chaque porteuse de projet se voit affecter un business coach. Donc, c'est une personne qui va vous suivre avec des temps de business coaching individuel sur ces 6 mois pour vous permettre d'approfondir les notions, répondre à vos éventuelles questions, jusqu'au bout des 6 mois où vous allez venir pitcher votre projet devant notre comité de partenaires. Alors, je fais le lien avec la deuxième partie de la question, c'est que nous avons la chance en tant qu'association d'être soutenus par un certain nombre de partenaires privés et publics. Je citerai notamment la région Occitanie, la Toulouse Métropole, le Sicoval et AG2R La Mondiale et la Caisse d'Épargne et la BNP Paribas. Ces partenaires, en fait, financent notre action et donc permettent que la plupart de ces programmes soient accessibles à toutes. Donc, la seule chose qu'on vous demande, en fait, c'est une adhésion à l'association, voilà, de l'ordre de 60 euros pour un programme Start et de 150 euros pour le programme Go dont je viens de vous parler. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est effectivement des programmes qui nous coûtent largement plus, puisque l'ensemble de nos prestataires, les intervenants, les business coachs sont rémunérés. Ce sont des personnes donc de qualité, des experts dans leur domaine que nous sélectionnons. Et voilà, vous avez l'opportunité, grâce à nos partenaires, de bénéficier de ce programme pour voilà, simplement l'adhésion à l'association. Le programme Go aujourd'hui, nous en avons donc nous le déployons sur Toulouse, faisant à peu près 3 promotions par an, et nous lançons très prochainement. Prochainement, la première promotion à Montpellier. Donc, elle sera lancée début mi-décembre, pardon, le 14 décembre. J'espère avoir répondu à vos questions. Ah oui, là, je pense que c'est très clair. Donc, bonne nouvelle, c'est un programme qui est financé en grande partie, donc, mis à part une adhésion à l'association, toutes les entrepreneuses qui ont envie de déposer un projet auprès des premières sont éligibles et pourraient être enrôlées dans ces programmes. Donc, c'est, voilà, n'hésitez pas à aller consulter encore une fois toutes les informations sur le site que vous devez retrouver dans les liens du commentaire du chat. Donc, vous retrouvez par exemple le commentaire dans le chat. Et donc, pour l'accompagnement, mais du coup, vous avez parlé un petit peu plus des différents programmes que vous proposez. J'espère que ça a été très clair pour celles qui avaient encore des questions à ce sujet. Je ne vois pas particulièrement d'autres questions revenir sur les commentaires. Donc, je pense que voilà, merci beaucoup en tout cas Marion pour cette présentation et ces, voilà, les premières qui sont vraiment un incubateur qui vient
accompagner des femmes ou des équipes mixtes, comme vous le rappelez. C'est une association qui est soutenue, donc qui est accessible grâce à... Ben, voilà, vous pouvez y accéder. Il n'y a pas de financement, mis à part une cotisation auprès de l'association. N'hésitez pas à partager ce live ou à le retrouver sur notre chaîne YouTube très prochainement, dans les jours qui viennent. Tous les workshops live de la matinée et de ces 3 jours de salon seront accessibles sur notre chaîne YouTube. On arrive au bout de la journée, de la première partie de cette première édition en Occitanie. Il n'y a pas d'autres questions. Donc Marion, je vous remercie encore une fois de votre confiance et du temps que vous nous consacrez sur cette édition. Merci beaucoup. Merci à vous.